Après une convalescence compliquée suite à une deuxième opération du cœur, Michel Drucker a accordé un grand entretien aux Parisiens, dimanche 2 juillet. Au cours de cette interview, l'animateur de 80 ans est notamment revenu sur les rumeurs autour de son décès. En 50 ans de carrière, Michel Drucker s'est imposé comme le taulier du PAF. En février dernier, l'animateur de 80 ans a dû mettre son émission Vivement Dimanche de côté pendant un temps à cause d'une endocardite infectieuse. Interrogé par Le Parisien, dimanche 2 juillet, Michel Drucker est notamment revenu sur ses longues semaines de convalescence. Je suis passé par tous les états. Je vais beaucoup mieux aujourd'hui, mais j'ai eu des moments difficiles. Certaines nuits, j'étais tellement KO que je me disais que je ne referais jamais surface. J'étais une ombre, un fantôme. Je ne pouvais pas faire 2 mètres à pied. J'ai mis 2 mois avant de pouvoir reprendre une douche. Je ne mangeais plus, j'ai perdu 10 kilos, a expliqué le patriarche de France Télévisions. Je pense que mon pronostic vital a été engagé. On ne me l'a pas dit, mais je l'ai deviné. Mon frère Jacques, qui est médecin, m'a dit plus tard que je n'étais pas passé loin. À un moment, j'ai eu une baisse de tension et mon pouls est tombé à 30 pulsations, a-t-il ajouté. Michel Drucker se confie sur les rumeurs qui ont couru à son sujet au cours de son interview aux Parisiens. Michel Drucker est également revenu sur les rumeurs autour de son décès qui ont couru sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Je ne savais même pas ce qu'était TikTok. On m'a dit plus tard qu'on avait appelé ma femme pour lui dire, « Dani, on est de tout cœur avec toi. » Elle a demandé pourquoi. On a annoncé que Michel est mort. Ça, ce sont les réseaux sociaux. Je ne comprends pas. Pour faire le buzz, heureusement, j'étais sorti de l'auberge, a expliqué l'animateur de Vivement Dimanche, qui a pu compter sur ses proches durant cette période compliquée. Sans eux, je ne sais pas si j'aurais tenu. Ils ont été formidables. J'ai aussi pu compter sur un soutien sans faille de France Télévisions, a-t-il poursuivi. De nouveau sur pied, Michel Drucker reprendra du service dès le 27 août.